et du club des sports de glace de Danemarie. Vanessa James, on est d'accord dans les tribunes. Et on accueille un couple star, on va le dire. Alors, ce n'est pas Vanessa James, c'est bien Vanessa et Morgan. Vanessa, on l'appelle tous. Oui, c'est... j'ai été un peu dur dans mon jugement, effectivement, parce que c'est aussi son diminutif. Excellent avec les deux combinaisons qui passent excellemment bien, le triple twist. C'est magnifique. Qu'elle maîtrise jusqu'au bout, il reste vigilant et déroule un programme qui se passe à la perfection pour l'instant. Et le triple salto lancé qui passe également.
Vanessa James, Morgane Cypré. Alors là, on a tout. On a la dimension athlétique, on a la précision du geste, la précision du détail, et puis une émotion aussi très forte. C'est tout simplement un programme parfait qu'ils viennent de réaliser ici à Vaujany. Ils ont fait un début de saison incroyable. Ils ont tout simplement tout gagné. Que ce soit leurs deux Grands Prix, la finale des Grands Prix. Ils ne cessent de remporter. Ils vont être encore une fois champions de France. Bravo à eux, ils ont su gommer leurs petits points où ça n'allait pas, voilà, leurs petits défauts. Et maintenant, quelle maîtrise à tout point, que ce soit les portées, la qualité des lancers, du twist. Et voilà, une fusion, une émotion qui se produit également. On voit, le public est debout aujourd'hui à Vaujany, ce n'est pas pour rien. Et effectivement, des applaudissements nourris et prolongés. One more without mistake. Voilà, une fois de plus, sans accroc, sans erreur. Et c'était ça le plus important. Ils enchaînent les compétitions dans une maîtrise totale. Et maintenant, championnat d'Europe, championnat du monde. Leur seul objectif est d'être champion d'Europe et champion du monde. Donc il va falloir aussi faire des programmes parfaits. Évidemment, les objectifs sont forts, sont majuscules. Ils ont parfaitement négocié la période récente, sans doute aussi, bien sûr, c'est déjà la récolte de fruits qu'ils ont semé depuis des années. Oui, puis on le rappelle, 5e aux Jeux Olympiques, ce n'est pas rien, une 3e place au championnat du monde. Donc non, ce n'est que, pour moi, ce n'est qu'un début, parce que voilà, depuis tellement longtemps, ils travaillent fort et dur pour obtenir enfin ces programmes somptueux, qu'ils en profitent, qu'ils nous ramènent le plus de médailles possible. Ce sont des bosseurs, ils sont récompensés encore une fois aujourd'hui, mais ils le savent, le plus important, c'est à venir dans un mois et dans trois mois lors des championnats d'Europe et des championnats du monde. Oui, on va pas forcément leur poser la question naïvement, quel est votre programme des prochains mois, parce qu'on l'imagine, on le devine, on, même au quotidien, on sait très bien ce qui va se passer. Et on voit à l'écran la maîtrise sur le triple book piqué. C'est où le book piqué? Pour les prochains jeux. Tu veux dire un mot, Marianne? On va se retrouver dans une minute. Allez encaisser votre note, monsieur. Morgane Cypré qui est venu au micro directement auprès de Florent Amodio et qu'on va retrouver dans une seconde, hein, de façon un peu plus posée, disons, après le verdict de la note. On sait qu'ils vont être champions de France, évidemment. Regardez quelle maîtrise, que ce soit dans les portées, dans les sauts. C'est un programme 5 étoiles qu'ils nous ont livré aujourd'hui à Vaujany. Et bien entendu, ce sont les champions de France ici aujourd'hui à Vaujany. Et 240.97, incroyable. Quel score! Et de 240.97 au combiné des épreuves. Quel score! Ce qui les passe en première Alors je peux vous le dire, s'ils font ce score au championnat d'Europe, au championnat du monde, c'est des belles médailles qui s'annoncent. Ouais, est-ce qu'ils ont encore envoyé un signal aujourd'hui? Peut-être bien. Merci à toi. Et on revoit ce trip salco magnifiquement exécuté. Vanessa James, Morgane Cypré, 240.97 aujourd'hui. Amon Strekalin, deuxième pour la hiérarchie du jour, mais les champions de France sont à mes côtés. Les fleurs doivent peser lourd, non, Vanessa? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Les fleurs pèsent lourd ou pas? Ah oui, un petit peu, oui. Je suis vraiment contente. Évidemment, évidemment. Alors, on va vous féliciter dans un premier temps, pour commencer, pour la prestation du jour. Est-ce que vous pouvez tous les deux, Morgane et Vanessa, nous dire un petit mot de cette prestation aujourd'hui? Oui, c'était un très bon programme. On est très contents parce que c'était pas évident. On est rentré de Vancouver mardi, 9 heures de décalage. Voilà, on a fait le job aujourd'hui, on s'est battu, on savait que ça allait être dur, en plus on est en altitude, mais on est content.
Vanessa, contente, satisfaite aussi de la prestation aujourd'hui? Honnêtement, très 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 contente. Comme Morgan l'a dit, ça fait pas longtemps qu'on est rentré. On a la descente des émotions, de l'adrénaline. C'est la fatigue, mais ça veut dire qu'on est très bien entraîné et on peut avoir la confiance pour la suite parce que c'était très bien. Vous avez l'air effectivement au point, ça c'est une chose. Simplement, est-ce que vous pouvez nous raconter, puisqu'on va avoir l'occasion de le revoir, ce travail-là que vous nous avez présenté aujourd'hui, quelle est l'histoire de ce libre? Comment ça s'est construit? Comment ça s'est fabriqué? Et comment on en arrive à un point aussi, aussi excellent? Ouais, il n'y a pas de secret, hein. Faut travailler. On a compris comment travailler, on a trouvé notre structure d'entraînement qui nous correspond. Et voilà, on a démarré assez tôt cet été pour être prêt directement au début de saison. Aujourd'hui et tout le début de saison a été magnifique pour nous. Après voilà, il faut continuer, mais on est content. Florent, ces 240 points, c'est forcément un symbole fort, hein, et un message envoyé aujourd'hui. Oui, c'est un très gros coup qu'ils ont fait aujourd'hui et qu'ils ont fait tout le début de saison. Je les félicite pour ça d'ailleurs. Comment vous appréhendez le championnat d'Europe, le championnat du monde? Vous savez, vous êtes ultra favori désormais. C'est pas nouveau pour vous, c'est pas nouveau, mais... voilà, comment vous allez vous préparer pour être champion d'Europe, pour être champion du monde? Je pense qu'on va faire exactement ce qu'on a fait depuis le début de saison. Après, faut, voilà, il y a toujours des points à gratter et à améliorer. Et, voilà, je sais qu'au championnat d'Europe, ce sera une vraie bataille avec les Russes, et au championnat du monde, pareil. Mais bon, pour l'instant, rien n'est joué. Et puis, on va bosser parce qu'on a envie. On a envie de grimper sur la première marche. Vanessa, peut-être un mot aussi sur les gens qui sont autour de vous, l'équipe qui travaille avec vous, l'entraîneur. Notre équipe, c'est une bonne équipe et ça inclut Katia Krier qui est souvent avec nous en compétition et des entraînements avant les compétitions aussi. Elle nous aide aussi avec la technique de temps en temps. Et puis notre équipe, Jeremy Barrett, John Zimmerman et Sylvia Fontana qui est ici avec nous, ils ont fait un travail magnifique avec nous. Ils ont donné tout leur cœur. Et beaucoup de temps et énergie, et ça commence à payer. On est vraiment fiers de eux aussi. Merci beaucoup à tous les deux, on va vous libérer. Je rajoute un petit truc. Bravo. Et juste avant de patiner, quand j'étais en train de me reposer, je suis tombé sur une vidéo de mon frérot Florent, voilà, que je connais depuis tout petit. Ici présent. Ces derniers championnats d'Europe. Et j'ai regardé ça, c'était magnifique. Ça m'a donné de l'envie pour aujourd'hui. Et franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous manque. Il a fait un très beau parcours et je suis fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais ça, c'est la famille, voilà. c'est gentil, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Bon repos pour ce soir et bonne suite de saison. Évidemment, merci. Ça va être dense et copieux. Merci à vous deux. Ciao. Florent, on va prendre congé évidemment, rappeler toutes les belles émotions qu'on a vécues sur ce week-end de championnat de France de Vaujany. C'était vraiment très sympathique. Il y a eu beaucoup de belles choses. Il y a eu évidemment Papadakis Cizeron, il y a eu Vanessa et Morgan aujourd'hui. Et on a de beaux champions de France aussi en individuel. Quel championnat de France, voilà, dans toutes les catégories. Il y a eu des gros coups et ça laisse présager un très bon championnat d'Europe, que ça soit chez les gars, chez les filles, couple, danse. On a une équipe de France qui est forte et qui va, je l'espère, nous ramener énormément de médailles, oui. Merci beaucoup pour les expertises au micro, Florent. Merci à vous encore une fois pour cette belle prestation aujourd'hui. On vous donne rendez-vous ultérieurement pour d'autres belles émotions de patinage. On vous dit aussi une bonne suite de programmes sur nos antennes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao. Ciao.